Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. Bienvenue sur TSO Radio, il est 20h. Déjà. Merci beaucoup d'être là, de rester là. Nous sommes avec un invité spécial. Et on vient d'apprendre dans les off de l'émission que, parce que j'en ai vu quand même passer quand même beaucoup des vidéos sans prétention, c'est le son que j'ai diffusé tout à l'heure. Et c'est toi, Marnev, qui en est à l'origine de la mise en ligne sur la plateforme TikTok. Ouais. C'est quand même pas anodin. Un peu de réaction, s'il vous plaît. Enfin, dans les débuts, parce qu'après, il y a des autres personnes qui ont ajouté à eux-mêmes. Ouais, mais voilà. Mais j'étais un des premiers à la mettre, quand même. Ah, quelle chance, tu vois, d'être... Ah, c'est pour ça que tu veux qu'on réagisse. Sur le premier à la mettre. Ouais. Il y a que ça qui t'a fait réagir, apparemment. Désolé. Désolé. Leur signe chinois, c'est cochon, hein, toutes les deux. Ah, bah, c'est compréhensible, alors. Oui. Ça s'est vu. Ils font peut-être 29 ans, mais alors... du kilomètre. On ressent la haine un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais allez, parce que pendant... il va pas depuis un mois. Donc Alors, oui, je vais pas depuis un mois. Et pendant la pause, on m'a dit que je faisais 50 balais. Donc, la suite de l'émission avec Marnef Anthony. C'est ton prénom. Ouais. C'est ton prénom. On va faire un défi. Pareil. On va faire le défi du mouchoir. Alors, c'est un jeu très simple. Avec un des chroniqueurs ici présent, je vais essayer de prendre le plus actif. Il faut impérativement que vous gagniez, parce que si vous gagnez, enfin on va voir si tu es d'accord, bien sûr, parce que tu peux nous envoyer le chien, hein, c'est gratuit. C'est que si tu perds ce défi, tu devras, si tu veux bien, du coup c'est plus vraiment un défi, faire un TikTok sur ton compte TikTok avec nous. Mais j'accepte directement, il n'y a pas de défi pour faire ça. Oui, mais nique pas ma... Supposons que tu ne veux pas le faire. Ok, bah, c'est pas sûr. Et si jamais, et tu verras qu'on va gagner dans tous les coups, si jamais tu gagnes, on fait un TikTok sur ton TikTok, mais c'est toi qui décides dans quelle merde tu nous mets. Sachant que t'as une exploitation complète. Voilà. Donc... Il y a plein d'idées, hein. Est-ce que t'es speed? Parce que faut avoir un minimum de réactivité. Hein. Ça dépend, c'est quoi ton jeu du mouchoir? Alors, je vous explique le jeu, puis après, s'il y en a un qui sent. Enfin, pas la transe, hein, mais qui sent de le faire. Oh, les deux. Deux paquets de mouchoirs, il faut vider la boîte le plus vite possible. Tac, 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 en musique. Ah, ça va être ainsi qui sait bien. Ah, mais l'oral fait déjà le jeu du hocher. Ah, c'est bon. Pourquoi tu me regardes moi, du coup? Depuis d'ailleurs, il me regarde moi, c'est genre. Et parce que tu manies bien le. Ah, ça peut. Non, le président va faire le My Bestie. Bon, il reste plus que toi. C'est son expérience, quoi, c'est tout. Voilà, c'est une expérience. Alors, est-ce que Laura, s'il te plaît, je vais te demander de te lever si tu veux bien. Je sais que c'est pas logique, je viens de dire que c'est Hélène et je dis Laura, si tu peux te lever. Allez me chercher, s'il te plaît, les deux boîtes qui sont derrière moi, donc je vais le faire tout seul. Il me semble bien que je les avais vus. Ça, c'est de l'organisation. Merci, l'équipe. Merci. Vous voyez pas, mais il y a du monde derrière. Il y a des petits chinois. Quel gaspillage. N'ouvrez pas la boîte parce que ça fait partie du jeu, hein. Vous allez vous débrouiller à ouvrir la boîte. Alors, donc, Hélène, il va falloir que tu te lèves. Tu te bouscules. Ouais, je sais. Quel gaspillage. Franchement, les arbres, t'y penses pas. Hein. Alors, si, parce qu'on va les conserver. Et ici, on a quelqu'un qui a un transit. Enfin, deux, mais il y en a un qui le fait voir. Qui a un transit très compliqué. Il va souvent, ça va lui servir. Ah, d'accord. Bon, voilà. Bah, ça, donc, en gros, ce que je viens de comprendre, je vais sortir des mouchoirs. Pour qu'on se torche le cul avec. Voilà. Ça me va. Alors, ça te donne. Ça te donne une idée de. Ça te donne une idée du niveau de l'émission. Hein. Ah, toujours une idée après. Je l'avais pas vendu comme ça, je suis désolé. Il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de gâchis. Il va falloir se lever. Ok. Je vais prendre la sucette. Moi, je peux garder le casque. Ah, ça, je crois que je l'ai branché. Vous allez me dire tout de suite si vous m'entendez. Attendez, hop, hop, il faut que ce soit vert. Hop, il faut que ce soit vert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Magie. Alors, je vous réexplique pour ce. Le masque, il en... je sais pas ce qu'il fait le masque. Waouh. Même le masque veut plus de toi. Le masque est fini. Alors, messieurs, mesdames, Marnef face à Hélène, Hélène face à Marnef. Je le fais parce que je peux pas retourner la balle faire. Bon, on va mettre les micros. Donc, deux boîtes de top budget. Hein, parce qu'on a pas beaucoup de budget. Pardon, excusez-moi, je savais pas que. Je tiens juste à dire que là, c'est maintenant ou jamais qu'on va voir qui a plus l'habitude. Fais gaffe parce que là, je connais le truc. Le truc, c'est pas. Alors, le but du jeu, ça va être très rapide. Il faut vider complètement la boîte de mouchoirs le plus rapidement possible. Tu veux la mettre dans quel sens? Oh non, non, vous la mettez dans le sens que vous voulez, moi ça me... Démerder. Est-ce que vous êtes prêts? Ne partez pas avant que je le dise. Du moment que tu vas plus vite. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Et je rappelle que en jeu, un TikTok où on est dans une merde noire... Merci de préciser. Voilà. Ou un bon TikTok... Et donc du coup, si c'est moi qui vous mets dans la merde, ça peut être drôle.
Oui, parce qu'on s'en souviendra quand il nous fera faire le oui, TikTok de merde. Pour une fois que ce sera vous que je mettrai dans la merde et que ce sera pas moi qui sera. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je rappelle que le dos d'Axel peut aussi aller au dos de Hélène. Médicalement, voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Et ben alors, top départ. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hélène, tu as démarré, qui démarre? Allez, c'est parti, le plus vite. Oh, il va plus vite, Va plus vite, Hélène, on est dans une merde. Bah, on a le jeu à un moment donné, hein. Ça s'est accéléré. Oh la vache. Ah ouais. Ah moi j'ai pas osé défoncer la boîte. J'ai fait ça propre. Bah fallait oser. Qui va se torcher le cul? Bah Laura. Tiens, c'est pas ça mon coucher. Merci. Le truc est le bloc de mouchoir. Vite pour la branche de Par contre, ce qui me fait peur, c'est que dans une exploitation agricole ou même n'importe où, il peut nous faire faire des trucs. Faites gaffe, hein, parce que. Oh. Pardon. Donc on a perdu. Donc l'équipe du Sortard Show va donc faire un TikTok sur la chaîne TikTok de Marnef, mais à sa guise. C'est ça. À sa guise. Donc bon. T'as une idée de ce que tu veux nous faire faire ou comme ça? Oh ok oui. Oh putain. Pas de serpent parce que je on en ramène aussi. Parce que j'ai pas trop non plus. T'inquiète pas. Oh là là. Bon bah, j'espère que t'es fière Hélène. Merci beaucoup. Merci à toi. J'avais pas demandé de participer. Est-ce que dans l'exploitation il y a des cochons? Non. Bon ça va, Yvan, on va pas rouler. Est-ce que tu peux reprendre le micro face à toi s'il te plaît? Ah oui, ça parce que ça. Je peux demander directement aussi d'aller à un endroit. Oh. Non, pas les cochons. Oh, ça peut être sympa. On va parler, Phil, à peu près. Y'a pas de cochons? Non, pas de cochons. Non, encore mieux. Bah, encore mieux. Pas les gousses de vache. Ah non. De toute façon, à TikTok, c'est une minute. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir perdu d'un coup. Et non, maintenant ça peut être 3. Oh merde. On est 6, c'est vraiment plus. On est 6, 7. Non, non, on fait tout dans le même. Bon, bah écoutez, à voir dans les prochains jours. Hein, c'est le TikTok sur la chaîne où tout. Voilà, bah merci. Bon, en tout cas, je crains le pire. Ouais, moi aussi. On est venu ici pour souffrir. Là, on va souffrir. Il y avait personne de dispo ce jour-là. Ouais, j'en aurais assez, c'est bon. Merci de vous être. C'est pour la pause. Moi, on m'avait dit, tu fais de la ventriloquie, on m'avait pas dit, tu vas te rouler dans de la bouse. Hein. Bah non, je sais pas ce qu'on va faire en fait, je sais pas. En tout cas, je pense pas qu'on va être mis. Regarde, j'en ai cassé. On va parler sur Discord, on va parler. Oh merde. Oh, dommage, c'était un faux. Mais du coup, au niveau de l'agitation du bras, bravo à Marlef. Et on va applaudir l'agitation du bras de Marlef quand même. Ouais. C'est bien, on applaudit quand même l'agitation d'un bras. Moi, je peux dire quand même que c'est 18 ans d'expérience. Ouais. Dès le plus jeune âge. Dès que je suis sorti, bah ça. Face aux 35 ans. Pour ma. Ouais, enfin, moi, si je commence à me lastiquer, ça serait compliqué quand même. Je pense qu'elle a attendu au minimum d'avoir 9 ans pour faire quelque chose d'un peu. Non? Non. Quel âge la première fois? 16. Ah bien, je t'ai niqué, enfin je t'ai battu. Non, pas encore. J'ai battu, j'avais 14 on ans. On parle de quoi la première fois de... Bah 16, ça va pour la une première, fille. Bah parce que du coup j'imagine que si elle agitait un phallus, fallait qu'elle ait un... Ah ok, la première fois, okay. Voilà, je pense que... Toi t'es pas si précoceux que ça, hein. 16 ans pour une fille. Ça va. Bah ouais, à mon époque 16 ans, tu vois. Ah, à ton époque t'es pas non plus un dinosaure, hein. Bah il y a 18 ans quand même, j'avais 16 ans. Ouais, non mais non c'est ça. Non, on est plus sur le Moyen Âge. Ouais. Ah, avant JC, hein. Ouais. Avant JC, hein. Oui, bien sûr. T'avais un petit quiz ou pas sur la première guerre mondiale? Non. Merci. Non, il l'a pas trouvé. On l'a vendu celui-là. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est bien, c'est qu'on dit le gouline, donc. Ouais, bah oui, profitez. C'est synthique, ouais. C'est vrai, ça. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. On fera un appel débile avec Marlef. On va vraiment te faire participer jusqu'au bout à l'émission. Et puis, on continuera s'il y a toujours des questions. T'as encore des questions? Ah, bah c'est nickel. On arrive tout de suite sur TSO. On laisse la musique. A tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.